Bienvenue à tous dans la deuxième vidéo sur la rando. On y va direct, c'est parti. Bon alors, pour le petit topo, là on va monter à peu près vers 2100 mètres d'altitude et comparé à ce qu'on avait fait dans la première vidéo, c'est un peu moins, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est tout aussi beau. Got my star in Bristol City. Gonna slow down. Wheels terminate my fate. Wheels terminate my fate. Gonna slow down. Bon, petit topo encore. Putain, je suis désolé, mes cheveux, c'est n'importe quoi.
C'est clairement super beau en fait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc là, ce qu'on va prévoir de faire, je pense, c'est plutôt redescendre en faisant une boucle. Et après, ça sera la fin quoi. Elle était courte cette rando quand même, elle faisait à peu près 4h05, 5h. D'habitude, on marche 8-9h quoi. Comme vous avez pu voir dans la vidéo de la vallée de Frayssinière. En tout cas, c'est pas mal. Just how long it's supposed to last? 'Cause I'm new in love, with my fresh face pressed up against the glass. From the outside looking in, seems as difficult to stop as it is easy to begin. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Just how much we're supposed to take? 'Cause I need something to take the edge off my latest mistake. From the outside looking in, seems as difficult to stop as it is easy to begin. Amen. Bon, on en a enfin fini avec cette descente qui a duré bien une heure ou deux quand même. Donc voilà. On est en bas, donc maintenant il ne reste plus qu'à prendre la route du retour. Amen. It's supposed to last. Bon, et ben voilà, il est minuit et demi, je crois, à peu près. Et on est enfin rentré. C'était une super rando, honnêtement, c'était vraiment bien. Si vous voulez aller là où on est allé, je vous mets les refs dans la description. Et j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est bonne nuit.